Y a pas de vent. Thank you.
Yes. Bon, ben si vous êtes encore là, c'est qu'il vous manque des informations que vous aimeriez avoir. Eh ben pourquoi pas. Alors, vous connaissez la scie, la hache. Ça s'appelle une plane. C'est un outil qui est pas évident à aiguiser, mais c'est vraiment sympa pour tailler le bois. Le tamis que vous avez vu, la petite maille, c'est du 0,5, c'est du 5 mm, et la grosse maille, c'est du 10 mm. La batte de baseball, là, on appelle ça le pilon. C'est en bois de frêne, qui est un bois très dur. En séchant, il va devenir encore plus dur. Et je pense que c'est mieux d'utiliser ça que du tilleul, qui est un bois, par exemple, un petit peu plus tendre. Voilà. Ça, c'est un morceau de châtaignier qui était sec. Voilà. Ça, c'est un haut de chauffe-eau. C'est le dessus d'un chauffe-eau. Là, c'est vraiment très pratique. J'avais découpé. Et c'est très, très pratique pour vanner. Voilà. Et ça, c'est le moulin Waldner que j'avais acheté à une époque. Avec une petite meule en pierre, 500 watts. 6-7 kg de châtaigne par heure. C'est vraiment très, très performant. Que faire avec les morceaux de châtaigne? Bon, il suffit de les faire tremper dans l'eau la veille. Et après, on les cuit 30 minutes. Et on peut accompagner de la viande, n'importe quoi, des légumes pour une soupe, comme ça. La farine de châtaigne s'utilise pure pour faire des biscuits, des fonds de tarte qui sont très très sympas, des pâtes à tarte. Ou alors on peut la mélanger, couper avec de la farine de blé ou n'importe quelle autre farine. Voilà. Tout ce système-là est ce que j'appelle extrêmement résilient parce que le matériel en lui-même, c'est deux bouts de bois, un qui est creux, un qui est pointu. Voilà, ça, en termes de capacité, je pense que je suis à 2-3 kWh, donc je pourrais faire ça une demi-heure par jour, et je pourrais faire manger toute une famille sans problème. Pour ceux qui aimeraient aller 10 fois plus vite, ce que je comprends, pourquoi pas, même je ne sais pas si c'est nécessaire de faire 20-30 kg de châtaigne décortiquée par heure, j'ai aussi fait quelque chose que je vous montrerai la semaine prochaine, c'est comment décortiquer ces châtaignes tout électrique. Un petit moteur pour broyer les châtaignes, un petit moteur pour tamiser, et un petit moteur pour vanner, pour enlever les coques. Et bien je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite de cette histoire de décortiquage de châtaignes. Bye.